Scant, il est bien placé. Pour aller capturer le point d'en bas et ensuite remonter vers les points plus haut, quoi. Le A notamment. Nous, la flotte principale, je pense qu'on sera sur A au début. Et on va essayer de se battre entre A et B. En défendant A, du coup, en évitant qu'il rentre dedans. A qui est le point quasiment devant le port, quoi. Entre les tours. On va aller Soit. gratter le vent. Ouais, ok. Alors, nous appelons pour les nouveaux arrivants. Si vous n'êtes pas dans la bataille, il y a un channel RVR screen en dessous. Je ne sais pas combien vous êtes. Mais si t'es tout seul à faire le screen, tu peux rester, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous êtes 15 et que du coup tout le monde se parle sur la gueule, on va pas se comprendre. C'est pour ça. Ouais. D'ailleurs, ce qu'on fera dans la bataille, c'est que les plus petits bateaux, ils se piqueront dans un channel en dessous, ou au-dessus, n'importe. Et s'il faut Le leur plus parler, petit, on c'est switchera nous. de channel 2 secondes, mais comme ça au moins vous pouvez vous parler, quoi, parce qu'il y a besoin. Et sinon, ça va faire conflit avec le reste. Alors, mon cher Eble, Scant s'est positionné à un endroit. Ouais, j'étais en train de parler dans le vide. Je le suis. Ben, les petits bateaux, je ne sais pas s'il faut qu'ils soient groupés au début ou pas. Faut demander aux joueurs expérimentés, donc UK et Implex. Alors de quoi, c'est quoi la question, pardon, j'ai pas. Alors, les petits bateaux, est-ce qu'ils vont se positionner là où il y a Scant? Histoire de grouper dès le Il devrait aller début. sourcer, c'est tout au sud de là où il peut spawn. Plus ou moins. Par rapport au cercle intérieur, ça doit être le plus au sud possible. Les gars, faites gaffe. Faites gaffe, il Ceux y a qui un sont à Espagnol. l'extérieur. Ouais, à pas vous faire taguer avec le Trader Brig. Hein. Ouais, rentrez au port, là, ceux de la bataille, s'il vous plaît. Tout le Ouais, monde Eb, rentre au port. tu peux rentrer au port, ouais, aussi. Sors pas encore. Ouais, tous ceux qui se font la PB, ressortez pas du port. Vous restez au port. Ouais, ben moi. D'ailleurs, on va tous se grouper. Comment Oui, c'est? moi j'ai fait un plus dans commerce à Gunstone. Ouais, faites un plus dans le commerce. Là, faut faire JPP. gaffe, il y a un Waza espagnol sur le port. Hein. Ah, j'ai cliqué, c'est Fuchet, tu le vrai. Oui, encore une fois. Fais gaffe, Oui, faut non, pas j'ai trop perdu tout le monde. aspirer le Niagara ou le requin. Hein. Et donner les infos sur le clan de la personne qui attaque. Qu'on sache si c'est les Spada ou les TVM. Je rappelle que TVM veut dire Transvaal de Marne, c'est le bus que je prends quand je vais travailler. Voilà. Il manque 3 personnes encore pour l'instant. Il y a Scant qui est pas en vocal. Eble justement qui doit pas être dans le port et Jean-Bart FR qui est en dehors du port aussi. Ouais. Je mets dans Nation. Eble. Et Jean-Bart et Scant sont aussi dans Nation un tout petit peu plus haut. Ouais. Alors les gars, une fois de plus, est-ce que tout le monde est là de tout ce qui était prévu à la PB? Ouais, devrait être bon, ouais, je viens de compter. Niveau BR, Merde, mais venez, on je marque. suis dans un groupe. Désolé. On marque notre BR sur le battle group, s'il vous plaît, les gars. Alors ils ont Juste trois, notre BR. quatre requins, enfin trois requins, un léopard et un dernier truc, un Hercule, qui se dirige au sud là. Donc les petits bateaux, vous allez avoir du mal, il y a du monde en face. Ouais, voilà, Ouais, il bah, de toute façon, si on est mal, on se barre, hein, Eble. On se barre, on leur laisse le point. Les grands bateaux vont pouvoir venir et le contester. Ça veut dire qu'ils auront moins de grands bateaux.
Moins de... Ouais. Ouais, genre un gros bateau de monde. Un ponton. Ça fait 100. J'ouvre ma calculatrice. T'arrives pas à le faire de tête encore, Smile. Je suis comptable d'études. Hein, ouais, c'est bon, y a, au moins il y a deux questions. C'est toi ce compte Smile bon, non, 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 non. Attends, attends, parce que Jean-Bart il est plus en question, mais non. Ouais, mais c'est moins. C'est plus de BR ça, donc on va plus tomber juste. Non, Jean-Bart il est privé en question pour un bug. Ça va pas aller. On va pas avoir la place pour le dernier requin si lui il change de bateau. 5030 pour l'instant. Je suis pas dans le groupe. J'ai pas été invité. Qui est pas dans le groupe? Ouais, mais Jean-Bart, tu vois que tu viens de changer, mais le problème c'est que c'était le BR tout pile pour ajouter un requin. Ouais, c'est moi qui viens de le changer, moi. Les gars, là on a encore du BR pour faire entrer un plus gros bateau. 5000 combien déjà? 5700. Ouais, là on est à 5030 hein, de ce que je compte. Il y a Eble qui est pas là, elle est 5130. Il y a moi encore aussi. Hein. Ah, vas-y, Eble, marque complexe. 585 aussi, moi. Ouais, JB, t'as pas un bateau plus petit? Le Christian, c'était parfait, ouais. Maintenant, il nous faut un bug qui passe en Christian. C'est la seule chose qui va rentrer. Ou qui passe en Pavel, on gagne plus de points, mais au moins il y a de la place, quoi. C'est ça, ouais. Ou bien un Pavel à la place d'un bug. La bataille va pas tarder à commencer, dépêchez-vous. On peut sortir du port parce que nous on a 2 minutes pour rejoindre une bataille après. Ouais, moi, la bataille, mais on peut de temps avant de commencer, non? 5 ouais, minutes, c'est genre avant. C'est pas un problème. Moi j'ai toujours pas été invité dans le groupe. Eb, t'as bien pas de groupe, hein? Ouais, là c'est. T'es pas dans un groupe là, ouais. Tout à l'heure j'étais dans un groupe, c'était ça le souci. Ouais. Bon. Et JB, si t'as un navire, je peux le TP s'il le faut. Je sais que tu m'entends. Finlam, il me semble que t'as un Saint Pavel Livebook S White Oak S. J'ai pas de Pavel et j'ai pas de Christophe. C'est bon, je passe en Christian. Bon, qui c'est qui passe en Christian? Belle Blonde. Belle Blonde? Ouais, ok. J'en ai qu'un seul, par contre, il est gold. En sorte que tu le gagnes. Ouais. Ok. Alors je vois. Prêt dans le port, mais c'est prêt. Ouais, je vois pas encore de navire de ligne espagnole. Pour l'instant, il y a que un groupe de 5-6 légers là. Donc on va peut-être changer de plan. Hein. Mais attends, le vent il tourne. Ok, mais tant mieux. Personne ne rentre dans la bataille. Ils ont déjà fait rentrer des petits bateaux? Non. Ouais, 4 rentrés dedans. Ils ont fixé l'eau, c'est normal. Faut dire à Jean-Bart, c'est pas la peine qu'ils construisent un Christian. Hein. Non, c'est pas le temps. Hein. Les navires de ligne arrivent, non, c'est du Pavel là, principalement. Attends. Et du buc. Ok. Donc vous, les grands navires, vous serez sur quel point? Du coup, vous avez dit A et B, c'est ça? On va aller prendre le plus le vent possible, ouais, pour contester A. Et vous, les petits bateaux, vous allez sur C. Enfin, on va rentrer... Putain, faut écrire un scant. Ok, j'ai pas... C'est... Mais Smile, scant, il veut pas venir Discord dans un chat? Ça, tu peux parler avec lui, Eb. Ouais, je vais le réécrire de toute façon sur Battle Group. Et après, Eb, on va venir sur notre channel avec toi. Toi et moi, ouais. Bébé. Ouais, t'inquiète. Enfin, un plex, on sort ou pas? Les petits, ouais, vous pouvez y aller. Le point A est quasiment au centre de la zone de renforcement, donc je sais pas si la ligne elle doit vraiment bouger avant d'entrer ou... Eux ils sont rentrés très proches de B. Ouais, les petits. Les nouveaux, ils sont toujours pas là. Ouais, si, des gros sont là, mais ouais, ils se sont fait attaquer par quelques pirates. Ouais,
Non, mais ils sont rentrés, 13 navires, ils sont dedans, c'est deux autres qui sont coupés. Alors, okay, on va vous dire ce qu'il y a dedans. Les gros bateaux, vous pouvez sortir du port. Tout le monde est prêt? Vous pouvez tous sortir du port. Et vous venez au nord-est. On va prendre plus le vent possible, comme ça. On a toutes les options. Il y a quelque chose à cliquer pour entrer dans la bataille? Ouais, alors, tu vois la ville derrière toi, tu cliques sur le plus haut. Hein, le faut que tu ouais, dises tu un petit bateau. Sur Brinkston. Faut que tu dises à un petit bateau de caper la zone 2. Hein. Ouais, il faudrait qu'un des requins vienne sur A. Vas-y. Sinon, t'es obligé de laisser un gros cul. Reste-le. Eh mais franchement, je me demande, hein, vu qu'eux ils ont un gros cul de moi de toute façon, on pourrait envoyer un gros cul sur le point C. Hein. Non, mais t'inquiète, laisse-nous faire. Au pire, on courra et puis vous les coulez. S'ils ont un ou deux moins, vous devrez. Surtout pas dépasser cette ligne. Hein. Surtout pas dépasser cette ligne. Puis les gars, une fois de plus, c'est pas facile déjà de parler sur Discord quand on est nombreux. On essaie de faire en sorte d'avoir moins de. Comment on essaie déjà? Le moins de. De paroles inutiles possibles. Et du coup, les Espagnols en bataille, c'est quelqu'un, c'est les montagnes. Ok, ouais. Bellona, Roquin, Hercule, Roquin. Saint-Pavel, Bucenteur. Ils sont rentrés où les gros? Les gros. Attends, je mets la carte, je mets le. À notre est à peu près. Est-nord-est. Donc on peut se tourner un peu cap nord-est. Quoi. Nord-est ou est-gauche même. Normalement, on devrait avoir le vent de notre gauche. Ouais, là on aura le vent. Hein. Tu... Ok, parfait, on peut rentrer. Les gros culs, on rentre. Donc les petits bateaux, on rentre près du fort, c'est ça? Au sud. Il en faut un des trois qui rentre en plein milieu dans la zone A si possible, pour la capturer dès le début. Mais c'est ce qu'a fait Smile, non? Scant. Ouais. Scant, ok, donc moi je vais au sud. Tu vas avec moi, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a sur B? C'est les grands qui vont aller sur B, ouais. Qu'est-ce que vous appelez grand? C'est l'uso. Ou petit? Petit, c'est les requins, les grands, c'est. J'ai un rat visant, ça vous sert à quelque chose ou pas? Qui parle? Rod, ça si tu veux faire du screen, pour l'instant, il n'y a plus personne en screen. Ah hein. Oh, ouais, Rod, désolé, j'avais pas. Ouais, contre, je me suis dépêché, je viens à peine de pouvoir créer l'autre poste et tout le bordel. Il faut que j'équipe les deux. Jean-Bart aussi nous manque dans la bataille, en concul. Ouais. Mais du coup, Rod, t'es pas inscrit, c'est ça? Non, je suis pas inscrit, j'ai pas eu le temps, j'ai rien eu le temps de faire. C'est pas grave. Juste, là, t'as encore plus de temps, parce que dans la bataille, ils sont rentrés. Et en screen, dehors, il n'y a plus personne. Par contre, à la sortie, c'est tout à fait possible. Ouais, je vais y aller, moi, il nous manque un gros cul là. Hein. Ouais, c'est Jean-Bart. Pour l'instant, les gars, full voile cap 90. Bon, j'ai un rat de visant. Hermine, tête de lit. J'ai un rat de visant, je l'équipe et je sors. Voilà. Ah, parfait, on a Jean-Bart qui a spawn sur. Là, faut qu'on les intercepte avant B ou. Attends, je compte parce que. On est 8 contre 8. Non, on a 9 gros culs, ils ont 8 gros culs. Oui, mais Jean-Bart il est derrière. Oui, je sais, Jean-Bart il n'y en a pas. Il est out. C'est bon. Il ne pourra pas revenir sur nous. Toujours agréable quand on écoute les sons. Ouais, Hermine, tu peux aller en full là, et tout le monde qui est derrière toi en groupe. Hermine, tête de ligne du coup? Ouais, Hermine, tête de ligne, et tu vises légèrement à gauche de la zone du cercle, plus à gauche, si tu vois ce que c'est. C'est déjà fait. Voilà, parfait. Il y a Belle Blonde devant avec moi.
L'un de vous est déjà en combat? On est tous en combat là, ouais. Ok. Smile, j'enregistre là. Smile est parti dans un autre channel. Ah d'accord. Mais oui, hein, Rod Luzo, si tu veux regarder, il y a JPT qui stream. Parce que j'ai appareillé, mais je suis juste de dehors. Vas-y, mais tu peux dévaler encore un peu plus le vent. Direction le point B. Ouais. En fait, notre objectif là, c'est de garder le vent sur eux, mais pas trop non plus. Pour que quand on fait un passage avec le vent, on le garde. Tu vois, qu'on n'est pas obligé de dévaler le vent pour passer à côté. C'est le plus important. Ok, je suis en cap 135, un tic à gauche. Il y a un trou là. Gabelou, je crois que soit il est à fond. JP, c'est toi qui as la priorité sur le vent normalement. Ok, j'y vais. Mais je suis pas un plus grand moi. Il y en a un qui passe. Hein. Ouais, je passe. Ouais. Jean-Bart, il est toujours sur le point A. Ouais, ouais. On l'aura jamais hein, tant qu'il arrive. Oui, mais justement, il y a un Bellona qui va sur un des points. Je sais pas le voir le Bellona 5. Mais non, mais avec ton Pavel Jean-Bart, tu protèges soit A, soit C. Tu demandes à Smile. Tu lui demandes à lui. Mais tu t'occupes de défendre ces points-là parce que je pense pas qu'ici. Enfin, quoi que t'as le vent pour venir vers nous, mais défends les deux points là-bas. On s'occupera de la grosse flotte sans toi. De toute façon, on va pas faire une grosse mêlée. Ralentir mine à l'avant parce qu'à l'arrière là, c'est la grosse. Je passe en bataille déventée. Ouais. Ok, Jean-Bart garde bien le point A, il est probable qu'on perde le C. On peut faire, c'est on coupe leur ligne sur les 3-4 derniers de la fin, on les isole et on les extermine. On se met tous dessus, quoi. Ouais, mais je pense pas qu'on arrivera à temps. J'ai pas envie de mêler, c'est souvent ça nous a coûté trop cher. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, mais je préfère la jouer plus doucement. Ok. Commence à remonter un peu plus le vent, Hermine. Essaye de toujours rester anglais avec la ligne. Je mets cap 135. Non, plus à gauche, plus à gauche. Ah. Faut que tu remontes 135 tic gauche, voire 135 tic droit. C'est ça. 135 et 90 tic droit. Essayez au maximum de ne pas vous faire le nez non plus. Je vais essayer d'avoir toujours un anglage sur la plupart de la flotte. Attention derrière de JPT, on est en vol de bataille. Irim, bataille aussi. Tu vas te faire faire 90. Les voiles. Ouais, Irmin, faut que tu mettes ton vol de bataille. Ouais, les gars, en bataille maintenant. Et vous me tapez un focus sur le plus beau, soit GDT, soit... Ouais, GDT, vous tapez sur GDT, tous ceux qui peuvent à l'avant à chaque fois, chacun votre tour, tirez sur GDT. Hermine, surtout, ne va pas trop vite, faut essayer de rester proche les uns des autres. On a le vent, donc s'il faut se protéger, on peut le faire. Il a pris qu'un trou JDT. Ceux qui sont tout à l'arrière avec moi, Finn et tout, peut chercher double charge si vous avez envie. Pas nécessaire pour l'instant.
Amiral de Fuché là aussi. On peut en isoler un droit devant. Capitaine Chouaka là, il est tout seul sur l'arrière, ouais. Sa flotte. Ouais, ouais, on peut. Ben, cap là-dessus, Hermine. Mais Hermine, il va commencer à taper focus. Donc, lance déjà ta répacoque. Et citoyen, faut que tu sois prêt à aller à la droite d'Hermine. Et Hermine, légère, tu vas toujours de plus en plus à gauche pour pouvoir éventuellement laisser passer citoyen. Parce que ça va, ils vont tous te taper sur ta gueule maintenant. Il y a les trois suivants. Il y a beaucoup de fan. Allez, vous me coupez, citoyen, tu t'occupes de couper Cap Chouaka là. Pose dans son nez, tu l'emmènes à gauche. Allez, tu rouvres pour le gaz. Hein. Ouais. Putain, ça rentre pas. S'il va dedans, il perd tout l'avantage qu'on a avec le vent. Il est déjà trop bas. Ouais, mais si on l'emmène, on en kill un. Si on emmène, on peut même en emmener deux. La tête de ligne, ils peuvent pas, ils doivent tous couper le vent. Non, non, go. On peut même couper les deux. Hein. Même Joanne le Cruz, on coupe les deux. Hermine, tu commences à tourner à droite aussi avec tout le monde. Salut, excuse-moi, j'ai oublié que j'ai une touche pour l'activer. Attends, faut que je monte ton son. Répète. Je t'entends très mal. Ouais, là, c'est nettement mieux. Ok. T'étais en bataille, là? Il y a un Polonais qui passe là.
Ok, j'attends. Ça a l'air de bien commencer. C'est quoi ça? À boire 99. Il y en a un qui a coulé à quelqu'un en espagnol près de Riston. Mais je ne sais pas à qui ça correspond. Un pirate. Ça se trouve, il a croisé celui que tu as avec lequel tu étais en combat.
De quoi? Il y a un pirate qui arrive. Il y en a même deux. Il y a deux pirates et un Hollandais. Oui, oui, deux pirates et un Hollandais en retrait. C'était pas prévu. Pour l'instant, mais visiblement. Il y en a un qui va venir taguer, peut-être. Il me tague.
J'ai bien compris. Ils sont concentrés sur moi.
je coule définitivement. Il va avoir de la répa. Bon, désolé, j'ai pas pu beaucoup t'aider. Ouais. Je vais TP un autre. Pour les occuper. Je vais venir avec un third right, si la bataille n'est pas fermée, je la vois pas. Ouais, elle est fermée. Je vais juste regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et je reviens.
ça se passe bien pour toi? Moi, je m'en doutais. Ils sont venus de suite sur moi, quoi. Ils sont venus sur celui qui était le plus rapide des deux, je pense. Ben, au départ, c'est là où j'allais jusqu'à ce que tu apparaisses, quoi. Là, je suis en train de m'y mettre avec le... J'ai un fade rate d'eau. Sinon, pour la bataille en elle-même, ça a l'air de bien se passer. Et puis c'était qu'un ravisant, c'est pas grave. On était mal placé, on n'avait pas le vent comme il fallait. Vas-y, tu disais. Tu étais mouru, donc je vais voir sortir. Je suis près du fort. C'est les gens voient un. Ah, mais non, c'est toi qui sors. Ah, tu sors fort, c'est ça? Ouais.
Il n'y en a que deux qui sont sortis. Ah d'accord, il est sorti loin quoi. En fait, j'aurais peut-être pu s'en ressortir en réduisant. Je sais pas si j'ai. Si j'en ai deux ou si j'en avais qu'un seul. À l'instant, je vais juste dire bonsoir à mes collègues. Voilà. Je suis allé annoncer la bonne parole. C'est-à-dire, précise, parce que t'as pensé. Je sais pas où t'en es resté, toi. Il y a des nouveaux groupes qui se sont formés, non, il n'y a rien de spécial. Les PTM, ils ont récupéré Calobello. Voilà, donc depuis, ben, moi je les vois de temps en autre et c'est tout, quoi. Et puis j'ai pas avoir de mauvaises relations avec eux pour le moment. Donc non, il n'y a rien de... Il n'y a rien qui a trop changé, tout le monde a essayé de se regrouper, quoi, entre guillemets. Là, pour l'instant, c'est les corsaires qui ont l'air de vouloir remplacer un petit peu, entre guillemets, les vigies. Mais c'est tout ce que j'ai compris, quoi. Sinon, on se fait toujours taper un petit peu par Kellerman et ainsi de suite.
toujours dans les mêmes coins. Ouais. Après, là, il y a des nouveaux qui sont arrivés, donc ils sont en formation, pour certains. Dans tous les groupes. Ben oui, c'est pour ça qu'il fallait pas pleurer dès que... Faut pas pleurer dès que... Il y a une difficulté. La roue tourne. Toujours. Ah non, mais je sais même pas pourquoi t'étais parti 3 semaines, j'en sais rien. Bah voilà, donc c'est tout. Je connais pas, je sais pas comment à quoi tu penses, tout ça, donc... Ça arrive quand il y a des moments difficiles. Ce qui arrive, c'est français, ça va peine. Guermaland plus 4. Finalement, c'est calme ici. Ça, j'ai vite compris que c'est moi qui vise et les deux là. Comme ils se sont placés. Le pic habituel. Pas ça, connais pas. Je sais pas de quoi tu parles. D'accord. D'accord. Vous êtes fou. Je
suis pas à ce niveau-là. Pour l'instant, j'imagine pas. Un trader cutter contre un... merde, contre un gros ventre, j'imagine, puisque je l'ai fait. Mais ton machin, non, j'imagine pas encore. Ben oui, c'est pour ça un peu. Il y a un espagnol dans le coin. Là où il y avait le Bellona, le chinois. Là. Ah, putain, il y a Narvi qui revient. Mais pourquoi? Ben, il était pas là, mais je vois que Little Moon a dit bonsoir, salut Narvi. Donc il doit y avoir Narvi dans quoi. Parce que principe Little Moon il sait de quoi il sait quand il... Très bleu, je sais pas qui c'est bleu. Et bleu. Voilà, à moins que ce soit pour Los Rivoir.
Après, d'après moi, l'informateur, ce serait peut-être de la provocation. Il n'y a pas de souci, j'en ai des problèmes aussi de ce genre. C'est pour ça que j'ai mis mon micro aussi sur une touche. Le requin, c'est qui ? Je te suis ? Faut savoir ce qui se passe de l'autre côté, surtout. Parce que si lui est sorti, est-ce qu'il y a encore du monde en face ? Moi, j'ai fait. On passe de l'autre côté pour voir. On peut voir les. C'est quoi la situation, s'il vous plaît ? Voilà, c'est fini, là. Enfin, presque fini. Gagnon est en train de caper le dernier de leur gros cul. Il reste un gros cul, c'est ça ? C'est ça. Oui, il reste un Pavel et un requin. Ouais. Le requin est sorti. Attention, il va. Il y en a un autre qui est sorti, ouais.
Il a 67% de vol, il bouge plus. Là. Ouais, il va passer. Citoyen, là, tu le bloques bien. Je sais pas s'il va passer des. Ouais, mais Belle Blonde, il y a moyen que tu. Tu le bourres bien là. Hermine cherche la grappe. Oui, chef. C'est galère. Hein. Il vise l'hélic. Il en a mis aucune, il a tout tapé dans l'eau. Il a plus que ça en soi. En même temps, il rend c'est ce que je lui ai mis au début de partie. Bah, je crois que c'est bon. Citoyen a repris le vent sur Kuracha, si je dis pas de bêtises. Donc maintenant, vous pouvez le. Citoyen, il faut qu'avec ton nez, t'atterrisse sur le nez du. Moi, Kermine le fait avant toi. Mais... Bah là, je vais commencer à le shadow, peut-être, non? Ouais, normalement, ouais. Il faut vraiment que vous arriviez à un de chaque côté, à gauche et à droite, et vous vous poussez à deux vers un côté. Et alors, vous allez arriver face au vent et vous pouvez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regarde. Moi, je vais mettre mon nez devant son nez. Et je toi, t'es shadow, donc il faut quelqu'un à l'autre côté aussi. Ça marche. Regarde. Là, je pourrais l'aborder, hein, j'ai 3 nœuds 5. Ouais, c'est bon. Ah, bah, et en plus, il a fait l'âme dans le huc. Oh putain, j'ai le jeu qui commence à. J'ai le jeu qui commence à délivrer, là. Oula. Bon, c'est qui grid. Bon ben voilà. Belle grappe. Bon là il bouge plus. Bah, je pense que celui qui va aborder c'est le premier qui a envie parce qu'ils se battent tous pour aborder. Le coup a été fait donc ça devrait être bon. Mais bon j'avoue que je suis pas trop fan qu'il n'y ait pas un qui soit resté derrière pour faire le coup depuis l'arrière. Arrêtez de tirer la coque hein, d'ailleurs. Vous tirez que de la grappe. Il y en a un qui l'a abordé? Non, pas encore. Parce que j'ai plus le G de dispo. Si le vent est à votre gauche, vous tournez tous à gauche avec lui. Enfin, cela, vous avez compris. Vous êtes des grands. Et ceux qui sont au-dessus du vent, vous n'allez pas mettre full voile, mais pas forcément pleine puissance. Mais il faut bien le shadow. Ah, j'étais en train de le tirer, je suis deg. Pour le shadow comme il faut que tu laisses toutes tes voiles. Ah, mais le problème, c'est que vous dévalez, il faut tourner à gauche avec lui. Faut pas que vous. Vous faisiez opposition à ce que Belle Blonde pousse à gauche. Bien, c'est bon, il est en abordage avec Belle Blonde. Ok, parfait. Je crois qu'il a des engages directs. Préparez-vous à engager. C'est déjà prêt. Enlever 67, 37 et 10, ouais, pas énorme. Là, il fait défense, défense et défense. Donc, ce qu'il a vraiment lancé son désengagement. Ouais, ouais. Voilà, c'est perdu. Enfin, c'est perdu. C'est... il a dégagé, quoi. Ah, ouais, quelqu'un l'a repris. Je l'ai repris, je l'ai repris. Voilà.
Ah merde, désolé, je me suis trompé de côté. Bon, citoyen, tu vas perdre du coup. Il a plus que 300 de coups. J'attaque en boucle. C'est toi qui vois. C'est fait. Bien joué. Nous avons un petit screen. Hein. Alors, bon, déjà les répas, c'est pour moi. C'est un Pavel. Il est Evirig Violet. En Locustes, Tekes, Navy Plank King, Northern Master Carpenter, Navy Structure Refit, Navy Sales. Oh, c'est très bien pour 150 de thickness PB, avec 3000 de PB. On va garder pour les futurs PB. Je le prends ou quelqu'un le veut? Non, tu le prends, tu le PS. Ok. Bon, bah GG. Hein. Ouais, belle partie, ça fait plaisir. On revient avec plus de BR qu'on est rentré, c'est fou ça. Ça y est, là, c'est terminé ? Ouais. Non, il reste encore un requin qui doit crever. Il a filé. Je fais l'escape. Hein, Je le fais escape. Ouais. M et sur retraite. La map, et tu fais, tu cliques sur lui, tu fais retraite. Bah, vous voyez, moi j'ai pas subi de coup. Regardez mon bateau à la fin de la bataille. Ah, le mec il a pris le luxe de réparer en fin de bataille. Quoi. Franchement, c'est bon pour le moral une victoire comme ça. Oui. Bah, tu regardes mon bateau, franchement, tu vois la maltraitance qu'il a eu quoi. Oui, il y a quelques impacts dessus. Hein. Bah, attends, je te les mets dans le. Dans le truc. Je trouve que de la part des Français, tu vois, ça mérite de gagner un concours de screen, juste le tableau. Tu vois. Non, non, plus. Non, c'était propre, les gars. On a fait des bêtises et des bons focus. Je l'ai mis à droite et à gauche. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Hein. Bon, après, c'est ça de vouloir jouer. Hein. Mec qui va une Santissima Fires Fires. Et ouais, il n'y a pas encore si longtemps, ça, ça faisait du 13 nœuds, ça. Ça, peut être... ah, ça doit être marrant. Santissima d'abordage. Non, il est en cramped, mais il a pas mis de trucs d'abord. Il vous a tous baisé la gueule. Est-ce qu'il y a du monde dehors? Est-ce qu'il y a des charognards qui restent? Non, pas pour l'instant. Et ce requin, il coule ou c'est comment? Ouf. Voilà, il y a la vitesse pour le rattraper, donc, de toute façon. Et il va sortir. Il n'est pas déjà sorti? On l'a vu à sortir, non hein. Ah, le dernier requin, là, il est aux prises avec Smile et Elbe, Eble, ça devrait être bon. Hein. Non, 966. L'autre, il a fait les tableaux en vide qu'on a pas eu le temps, on a eu à peine le temps de le voir. Bah là, ils ont perdu une grosse partie de leur flotte quand même. L'air de rien. Ouais, et puis ils avaient des bons bateaux, hein. C'est pas comme s'ils étaient venus là en rigolant.
Il y en a qui étaient en bois normaux, parce qu'il y en a clairement qui prenaient beaucoup plus cher que d'autres, ou bien c'était en bois plus rapide. Et puis il y en avait qui étaient en full thickness, parce qu'il y en a, j'ai vu, c'était abusé ce qu'il avait en thickness. Mais ils ont perdu 8 bateaux, si on veut attaquer Bluefield, c'est le moment, quoi. Oh, oui, là, bon, ça, S... pas qu'ils ont pas de réserve. Là, il vaut S, TKS pour celui que, celui que Jean-Barre a coulé, qu'on a coursé. Ouais, moi aussi, j'en ai trouvé un aussi en... Attends. C'est meilleur bois, hein. Ça aussi, voilà. Ouais, je sais pas, Sabiku, ouais. Celui que j'ai capturé, il est en très il a beaucoup de trucs pour locustes, techs, je trouve. Beaucoup d'HP, beaucoup de 33 000 de structure et 150 de sickness. Mmh, ouais. Mais il n'y a pas photo, les gars. La sickness, c'est clairement méta. Hein. C'est plus fort. Non, c'est plus méta. Est-ce que t'as... Smile, bouge ton poule. T'as pas fait des IA. Avec des machins super tanky. Je peux pas tirer, il y a Smile devant. Non, parce que moi j'ai beau avoir 155 de thickness avec mon malabar. T'as pas d'HP, il te tire dedans, ça ricoche, mais ça te fait des dégâts quand même. Non, mais t'es en malabar, t'es pas en live au casté. Ah oui, mais j'ai 155 de thickness. Bah, c'est que t'angles pas ou que t'es trop proche. Moi je le fais avec les IA. Je peux tirer dans Smile? Dites oui, dites oui. Oui, oui. Vas-y. Mais le coup. Vas-y, débattre-le. Débattre-le. Bataille gagnée. Youhou. Du coup, il est pas mort, le requin. Allez, vous pouvez pisser, les gars. Tu as pris un screen de finale? Ouais, je l'ai mis. Ouais, c'est vidéo, déjà posté. Oh, je me suis amusé comme un fou, messieurs. Vraiment, c'était trop bien. La palme. Okay. Et Louise Bourgogne qui vient rechercher les repas qu'il vendait à Fridor avant. Ah oui. Charolien. Profiteur de guerre. Il y a un joueur ennemi qui passe devant là. C'est le requin qui s'enfuit, non? Non. Ah, il y a le requin, mais un peu plus loin, il y en a un autre. C'est pas un requin, ça. Le gars veut se faire un oiseau. Pas assez rapide avec mon truc. Ouais, il y a un oiseau, c'est ça. Je fais une pause. Mais en tout cas, ouais, bien joué. Vous voulez que j'aille le tag avec le requin? Il y a Baza qui passe en face. Bon. Moi, je peux aller le tag avec le requin, mais bon. Bah, je sais pas. Oh, les gars, il se rapproche de nous, là, non? C'est pas. C'est une impression. Par au sud. Bien joué à tous les gars, je vais pas tarder à me déconnecter, mais en fait, c'est très bien joué à tous les gars. Non, il repart vers le loin. Et bien joué aussi, Eble. Eble. Je sais. Ah non, c'est Eble, hein. Je viens de vérifier. Olé. Une machin à 4 lettres. Vérifier quoi? Ah oui, c'est Eble, mais pourquoi maintenant c'est Eble sur Discord? C'est Eble? Non, c'est Eble. Eble. Moi, il y a écrit Eble. Non, je l'ai écrit en ordinaire. Il y a bien écrit Eble. Il y a bien écrit Eble. T'es sérieux? C'est l'Eble. Je suis un enfant de troll, je suis désolé.